qu'on aperçoit là-bas tout au fond. Et du col de Séoun, on prendra la piste de travers qui va à gauche, on la voit, enfin on la devine, pour descendre sur la bâtie. Cette fois, sur la route de la Valette, qui est là, on prend tout droit, petit sentier. Château Garnier. Transverdon. Alors on passe derrière la tour de Piégut, qui est juste là-haut. Voilà, on est passé derrière Château Garnier en évitant le goudron. D'habitude on arrive par la chapelle là-bas. Et là on arrive à travers champs. Et on va rattraper notre chemin, la piste de Séoun. Part dans le ballon. Voilà, sur la piste du col de Séoun, il n'y a plus qu'à monter. Alors, nous sommes arrivés au col de Séoun. Par ici, c'est pour redescendre à l'Ambrouis. Cette piste va au Cheval Blanc. Celle par laquelle on vient, ben, on voit Robert. On va en dessous de la piste du Cheval Blanc. Et celle que l'on va prendre, elle est là. Elle va vite se transformer en sentier. C'est le pied du Charvet qui domine l'Ambrouis. Et Robert file. Et il fait chaud. Le travers en dessus du col de Séoun. C'est le travers qui domine la bâtie, qui est là tout en bas. Puis la vallée qui donne sur Thorame. C'est brumé aujourd'hui. Et là, c'est un coin à Sanguin. Donc on s'arrête pour voir un peu ce qui se passe. Mathieu, au fait. Coucou. J'ai fatigué le vélo. On voit une autre piste. Le départ de la piste en bas, là, qui fait tout le vallon. Château Garnier. Thorame Basse. Le lac des Sagnes. Là. Il te rame là-bas derrière. Eh ben, c'est pas arrêté pour rien. Et on ne va pas les prendre. Ouais, pour trois. Sanguin. Voilà, on est arrivé au bout de cette piste qui part du col de Séoun. Bon, mais c'est pour l'instant un cul-de-sac, sauf que là, il y a un petit sentier qui part, qui va monter quelques mètres, et ensuite un sentier. Ce sentier nous ramènera à la bâtie, en espérant qu'il soit en bon état.